Salut à toutes et à tous, c'est SevenFox71 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur WWE 13 plutôt, ça fait plus joli. Donc on va faire des petits matchs sympathiques, on va faire des matchs exhibition en 1 contre 1 en normal. Je sais pas si je vais vous parler du jeu en détail ou pas, on verra ça. Alors oui, bon moi j'ai encore pas tout débloqué, hein. Comme vous pouvez le constater, moi je vais prendre John Cena, ou plutôt John Cena, Cena John, et contre qui c'est qu'on va défoncer, lui on va défoncer sa tronche, enfin on va essayer, ce n'est pas gagné, donc où c'est qu'on va se mettre par contre? Non? Bah alors je dis non, voilà, oula, qu'est-ce que ce bordel? Voilà, c'est mieux, fais voir ce qu'il y a là-dedans, je vais jamais faire attention à ça. Je vais me mettre à WrestleMania. Voilà. Le plus grand show de catch du monde. Expérience de match normal. On va mettre épique. Voilà. Et jouer. WrestleMania. Hop, petit chargement. Ta 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 ta. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti jeu de catch. Je crois que c'est l'année dernière, il me semble. Bon. Et voilà la petite intro de Cena John. J'aime bien ce catcheur, moi personnellement je l'aime bien. Il n'y a pas que lui que j'aime bien, mais je l'aime bien. Voilà, vous pouvez le voir sur cette petite intro, elles sont plutôt bien faites, hein, franchement, les graphismes du jeu sont pas mal, bien que malheureusement, c'est peut-être le défaut, moi, le seul défaut que je trouverais au jeu, c'est que justement les graphismes n'évoluent pas trop, on va dire, à part le public qui a un peu changé. Sinon, c'est pas une évolution technique graphiquement, pas grand-chose qui change, quoi. Puis encore, vous voyez, les graphismes du public sont vraiment du vite fait, quoi. Enfin, ça se comprend en même temps, parce que s'il faut vraiment faire un public comme eux, là, on finit plus. Hein. Bon, il se dépêche un peu d'avancer, lui, j'aimerais bien le friter. Enfin, on va essayer de gagner, c'est pas dit. Il est bien hué en tout cas. J'ai jamais pu blairer ce catcheur. Moi personnellement, je l'aime pas du tout. Bon, après, c'est son rôle hein, de pas se faire aimer, vous me direz. Hein. Mais moi, je l'aime pas. Donc, c'est pour ça que je vais prendre un malin plaisir à le défoncer sa tranche. Enfin, je vais essayer parce que c'est pas dit. Alors, attendez, il faut que je me rappelle du bouton pour courir. Je crois que c'est L2. Je suis levé à ça, L2 ou R2. Ça finit par un 2, ce qui est sûr. Il faut que je le touche le premier, sinon après ça risque d'être très compliqué. Ok, je me suis complètement failé dessus. Ouh, ça commence fort, je l'ai déjà dans le coin, je vais essayer de le friter. Tiens, est-ce que je monte sur les cordes? Ouais, je monte. Tiens, je vais foutre du top, je vais faire une petite prise. Ah, faut que j'appuie répétition sur croix. Ah, il m'a eu, je vais essayer de contrer. Ah mince, j'ai pas contré, j'ai juste chier dessus. Ah, ça va juste être difficile maintenant. Ah non, c'est bon, je l'ai contré. Tiens, prends ça dans ta tranche. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, il m'a contré. Il m'a juste bien contré comme il faut. Cours! Oh non, il va. Est-ce que je peux contrer? Non, trop tôt. Ah, c'est le problème de contre, c'est trop bizarre, je trouve. Tiens, défonce-moi la jambe. Prends ça, Cena John. Oh non, mais il compte tous mes coups. Comment vous voulez qu'il faut que je fasse? D'accord, attendez, là, faut que je chante. Non, c'est bon, j'ai juste pas contré, il m'en fout plein la tronche, c'est moi qui voulais lui en foutre la tronche, et là, tiens, une petite prise, contre-moi pas, ouais c'est cool, tiens, prends ça dans ta tronche, je vais essayer de faire une attaque rapide, et boum, tiens, hop, ah, et qu'est-ce qu'il fait, un petit Irish sweep, bref, voilà, ouh, c'est bon ça, non, t'en vas pas, ah, non, bah, nom de Dieu,
Alors, qu'est-ce qu'il fait encore? Non, c'est une autre prise. C'est cool. Est-ce que je vais pouvoir faire une prise? Non, il me contre encore. Ah non, c'est bon, nickel. Alors, attendez, un petit re-sweep là pour... Ah non, il va... Nickel. Oh, c'est bon. C'est bon. Et hop là. Brum, tiens. Prends ça. Non, il va me contrer. Non, c'est bon. Je vais essayer de le revoir encore une fois. D'accord, il m'a contré. Vite, tape-le. Ah non, je le m'attape en premier. Je le retape et je essaie de le contrer. Non, j'ai encore échoué. Ah non, c'est bon. Nickel. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, il est costaud. Il est costaud, le Sinajol. Ah, zut. Ça fait jamais ce que je veux faire. Et tiens. Boum. J'adore cette prise. Ah, attendez. Viens, vas-y, viens. Cours. Et tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. On va essayer de le ravoir debout. Et hop. Oh oui, c'est bon. Une nouvelle prise. Et boum. Tiens, encore une fois, tac. Une petite prise au sol, ça serait cool. Hop, je vais faire le coup. Voilà, un petit drop kick. Et hop, je vais me propulser dans les cordes et... Et il m'a contré, ok, sympa. Sympa. Oh, un dur encore. Oh, ok, je peux rien faire. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur R2. Il y fait en fou, le mec, là. Ah, c'est bon. Et j'aime pas pourquoi il le prend tout le temps par derrière, ça m'énerve. Tiens, tais-toi donc. Ah, peut-être que je vais pouvoir faire une perche, comment ça s'appelle, les suplexes, là, je sais pas quoi, là. Bon, avant je regardais beaucoup le catch à la télé, mais je regarde beaucoup moins maintenant vu que ça passe à je sais pas quelle heure là. Avant c'était le vendredi soir, là les SmackDown Hero à la suite, c'était super cool. Mais là maintenant malheureusement, bah le plaisir de regarder le catch n'est plus là à cause justement des changements d'horaire bizarres à la con là. C'était sur NT1 pour ceux qui ne savaient pas. Non. Voilà, c'est con. Ah, je suis à WrestleMania là, c'est vrai, je crois. Ouh, faut que je fasse un. Faut que je gagne à WrestleMania là. Faut se rattraper du WrestleMania, c'est le combien 10, 25, 26, 28, je crois que c'était, oui, voilà. Bon, c'est quand j'ai mon coup spécial, là, qu'on l'achève et qu'on passe à un autre. Non plus. Non. Ah, mon Dieu. R2, loupé. Ah. Je prends. Oh, R2, loupé. Ah non, vite. Frappe-le. Oui, c'est bon. Voilà, et il va passer par-dessus la troisième corde. Ouais, mesdames et messieurs, il est passé par-dessus la troisième corde et je vais sauter. Non, oui, attends qu'il soit debout. Non, ah mon Dieu, erreur. Oh, le fake, oh punaise. Et là, je me grattais les cheveux tellement c'est un gros fake. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Non, il m'a contrage. Ah, je suis colère. Ah, poking point. Non. Il faut brûler sur le bouton croix. Vas-y, contrôle. Ah, il a arrêté avant ce vicieux. Ah non, c'est bon. Tiens. Bam. Tiens. Ça fait du bien. Se défouler contre ce monsieur là. Je vais essayer de faire un truc cool là. C'est pour être cool. Ouais, c'est pas mal ce que je viens de faire. C'est une phrase dans les annales, tiens. Est-ce que j'ai le truc spécial? Pas encore. Eh ben non, DJ, il est si long que ça, rien. Voilà, c'est ça que je voulais faire à la base. Le faire boum, par-dessus les machins. Et je bouffe. Hop, tiens, bouffe-toi les dents par terre. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire cette fois? Ouh, joli. Hop. Ouais, on va remonter sur les cornes. Non, on va pas remonter sur les cornes, finalement. Un petit Irish whip. Non, le con. Pas dans le... Non, trop tôt. Encore un contre, mais il me contre tout le temps, lui. C'est un truc de dingue, ça. Comment voulez-vous que... Ah, pour une fois que c'est moi qui compte, tiens. Prends ça dans ta... Non. Tiens, voilà. Allez, voilà. Bon, pour ceux qui se disent, hein, je suis pas en facile, là, par contre. Hein, je suis pas comme... Ouh, le You Can See Me, il est là. Le You Can See Me. Ouh, attention. You Can See Me. Et... Funicle Shuffle, it's boom dans la tronche. Voilà, boum. Relève-toi maintenant que je te fasse le... merde, l'Altitude Adjustment, le AA. Aïe, hop là, avec le petit effet ralenti de lumière et les flashs. Hop. Ah, c'est joli le ralenti. Vachement bien fait. Et tiens, one, et two, et simplement deux. Il a réussi, il a survécu. Tiens. Ah non, Doudjou, là ça va pas le faire ça par contre. T'auras le droit à un. Et
Tiens, voilà, tiens, je vais te prendre par les fesses là, tiens, voilà. Et maintenant, et 1, et 2, et 3, et simplement 2, non, et tiens. Mon Dieu, pourquoi j'ai vu que simplement 2? Je l'ai fait mon finisher le plus puissant possible. Tiens, 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 je vais te faire une prise à la Dual Cena, John. Boum, tiens, tiens. Tiens, merde. Tiens, prospère à celui des troisième cordes, ça c'est bon, hein, ça. Ouais, c'est ça. Bonne idée, bonne idée. Et pff, tiens, allez hop, le gars il s'excite sur son jeu là. Non, non, mon Dieu, non, faut pas qu'il prenne l'avantage. Il a pas pris l'avantage. Contre pas, connard. C'est bon. Oh là, j'ai dit, je vais insulter. Excusez-moi, je ne voulais pas. Pff, je suis en train d'exciter les foules. Tiens, tiens, relève-toi. Vas-y, que je te fasse un trop cac. Ah non, c'est le You Can See Me Debout, c'est cool. J'essaie de le foutre dans le coin, ça pourrait être drôle. Ok, je suis complètement loupé. On va essayer de le faire passer par-dessus les cordes. Voilà, magnifique, magnifique. Et tiens, et contre pas. Non, c'est bon, il a rien le temps de faire là. Pour le moment, c'est plutôt cool, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Oui, je lui ai réussi à l'intercepter avant qu'il me frappe. Je refais cette petite prise sympathique. Et... non, il va... ouh là là, ça y est, c'est fini. C'est fini, la série est terminée. Non, c'est bon, je compte magnifiquement. Magnifique compte. Et boum, tiens, voilà. Une petite prise à terre. Oui, ça c'est bon ça. Et boum, ah, je l'aime bien cette prise aussi. Je sais pas comment elle s'appelle. Je m'en rappelle plus. Et non. Oh. Ah non, c'est bon, nickel. Ah, il m'a contrage. Ah, je suis colère. Ah non, c'est bon. Ah. Nom de Dieu. Ouh, ça va pas le faire. Tiens. Tiens, qu'est-ce que je... 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7 pour la route. Ah, nom de Dieu. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Je viens de faire deux fois la même prise. C'était pas complètement voulu. Mais j'ai vu le foutre dans le coin. Allez, va au coin. Va au coin, j'ai dit. Bon, est-ce que j'ai un long deuxième coup spécial, là? Bon, je crois qu'en fait, du coup, là, juste ce combat-là, rien. Tiens, 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 passe par-dessus la troisième corde. Yeah. Je fais le fou, là, tiens, provocation, provocation. Et encore une fois, cette attaque, je ne sais pas, je voulais pas faire ça. Je m'excuse de faire trois fois de suite cette attaque. Et je... mince, j'ai le coup spécial, attendez. Il faut que je le foute à terre. Attendez, je le foute à terre. Restez connectés, je le fous à terre tout de suite et je vais faire le You Can See Me 2 et hop là, You Can See Me! Deuxième fois et Fab Nako Shuffle et Pound dans la tronche! Youhou! Allez, maintenant tu vas te relever avec ta gueule en sang, je vais te faire mon finisher et Attitude Adjustment et Pound! Tiens donc! Et hop là, j'appuie sur rond au cas où, des fois que, voilà, on le ralentit. Il a la tête en sang, le pauvre, et tiens, rond, et 1, et 2, et 3. Oui, c'est bon, j'ai gagné le match, j'ai gagné le match. Magnifique, on va voir les petits ralentis maintenant de ce fabuleux jeu. Bon, il m'a pas touché beaucoup, hein. Je crois pas, du moins. Ah si, voilà, il a, bah, il y a là encore qu'il a fait un beau truc. Bon, là, j'ai échoué, là, oui, c'est vrai, là, j'ai fait simplement 2. Hop. Qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Ouh, le petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais appeler la prise comme ça. Et là, le You Can See Me est suivi du AA, du double A, double A, double, double, double A. Et hop, boum, sur le dos normalement. Et boum, et voilà, c'est la fin du match. Et là, je vais célébrer ma victoire. Applaudissez-moi, saluez-moi, mettez-vous à genoux devant moi. Et voilà, c'est un une fois de plus que nous gagnons à WrestleMania. Magnifique. Magnifique, magnifique. En même temps, à sa place, je serais content si de gagner là-bas. Et nous allons arriver à la fin de la petite cinématique, normalement. Et voilà, encore une petite truc, voilà. Ouais, je suis le meilleur, wouhou. Alors, attendez, quittez. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, toute meilleure, W13. Yes, 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 lui non plus, je l'aime pas. Alors, attendez, attendez, il y a un nouveau truc qu'il faut que je vous montre, par contre. Ah, allez, vite, 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 vite. Ah, ben, ça charge. Schnell. Allez, nickel.
comme vous pouvez le constater, par rapport aux autres jeux de catch, regardez ce que nous avons. Nous avons les anciens, nous avons Billy Gunn, nous avons également, normalement, attendez, voilà, The Bret Hart jeune, nous avons Shawn Michaels, voilà, je cherchais le jeune Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin et le Rock des années 98-99, puisque normalement, attendez, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est celui-là? Dwayne Johnson, The Rock, voilà, il est là, le nouveau, le tout nouveau. Mais lui, ah mon dieu, mon dieu, mais Shawn Michaels, attendez, est-ce que je laisse Shawn Michaels ou pas? Je vous ferai un match un jour avec Shawn Michaels. Alors attends, non, je suis en bas, peut-être lui là, ah non, c'est Randy Orton. Non, visiblement, je n'ai pas Shawn Michaels. Bon, bah, c'est très dommage. Oh, par contre, lui, j'aime bien lui défoncer sa tronche. Ah, lui, non plus, je l'aime pas. C'est qui, lui? Ah, bah, là-bas, il y a l'autre, le même machin, là. Hop, là, je veux juste vous montrer un nouveau truc. L'attitude RA, c'est la toute nouveauté de ce jeu, justement. Comme vous pouvez le voir, voilà. On a tous des modes scénario. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Bon, bah, là, ça doit être les bonus, je pense. On a des vidéos sorties du vrai catch, la chronologie d'audience de Monday Night War, Raw at War, pardon. Voilà, donc hop, et là nous avons des objectifs à remplir pendant justement, comment vous montrer ça? Bah juste comme ça je pense, quoique, bon c'est pas grave, on va se quitter là-dessus de toute manière, on a des objectifs à remplir pour débloquer justement les personnages, des ceintures, tout ce qu'on veut, voilà, regardez, objectif bonus historique, exécuter un Choke Slam, exécuter 3 Tombstone Pile Driver, et il faut que je remporte la victoire par tombée, sinon je ne débloque pas le bonus historique. Bon là je quitte l'intro pour faire très vite, donc là on va se quitter sur ces fabuleuses images de The Undertaker, je crois, si je ne me trompe point. Encore un chargement, voilà, joueur 1, je suis Undertaker, et j'ai fait le con dès le début, puisque comme vous avez pu le remarquer, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, donc avant que je me fasse trop défoncer, on va très vite, et tiens, voilà, une petite prise soumission, on va se quitter sur ces belles images de Austin 316, l'autre il est en t-shirt, et... une petite prise par derrière et boum et voilà. Donc nous aurons fini cette vidéo avec The Undertaker. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr, croyez-moi, je vais vous en faire des autres sur ce jeu. Tellement j'aime ce jeu, j'aime le catch. Voilà, vous savez tout de ma vie, de mes exploits. Ma foi, j'espère que cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, j'ai cru m'avoir contré. Vous aura plu, ou que vous aurez passé un bon petit moment, et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ou attendez, avant, le coup spécial, on va finir là-dessus, merde, non, ah peut-être pas, j'ai juste envie de finir là-dessus le coup spécial, ce serait juste magnifique, attendez, je vais leur foutre debout, je vais essayer de faire le coup spécial à l'Undertaker quand même, le vrai, pas le Chokeslam, qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène, ah voilà, il l'emmène de l'autre bout du ring. Non, qu'est-ce que tu fais, connard? D'accord, je sais pas. Il s'amuse avec lui en fait. Il va monter aux cordes. Oui, ça y est, il monte aux cordes. Il fait le funambuliste et il va faire je sais pas quoi. Elle est un peu bidon cette attaque, mais c'est drôle. Et là, je fais le Tombstone Pile Driver et hop. Je passe la tête entre tes jambes et boum. Et voilà. Donc voilà, nous allons nous quitter sur ce beau Tombstone Pile Driver, la finish de The Undertaker. Et maintenant, c'est à mon tour. C'est à mon tour de me faire défoncer. Donc, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Ciao.